Moi, je trouve personnellement que c'est une sécurité, car ils ont les nouvelles en direct. Avec la télétransmission, a priori, on pourrait penser qu'on est coupé du technicien, mais pas du tout, justement, parce que lui voit le matin comment ça s'est passé, la nuit, et si on a un souci, ben, il peut réagir dans la journée, au téléphone, ou venir chez moi. Et c'est une sécurité, encore une fois, qui n'est pas négligeable. Le technicien m'a bien rassurée quant à la confidentialité de mes données médicales par rapport à la loi française. Donc je suis tout à fait sereine. Le système de télétransmission est un système vraiment sécurisé qui est pris en charge par un site agréé, donc ça ne risque absolument rien. Les seules personnes capables et pouvant avoir la lecture de toutes les données effectuées par l'appareil sont le technicien en charge du patient et le prescripteur qui a commandé l'utilisation de l'appareil. Cette nouvelle technologie de télésuivi permet aujourd'hui aux médecins de pouvoir faire une nouvelle étude qui s'appelle OptiSAS, donc c'est une étude clinique qui permettra justement d'apporter des évolutions pour le patient. Et donc dans l'avenir, ce sera quelque chose qui sera certainement intéressant puisque justement c'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent au niveau du suivi des patients. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas puisque jusqu'à présent les patients n'étaient revus que sur un traitement long terme comme ça environ tous les 5 mois. Et aujourd'hui, on aura vraiment une étude précise et beaucoup plus aboutie en termes de suivi d'observance du patient.